Oui. Bah là je dis oui. Il y a la poudre noire. Ok, alors là par contre problème, j'ai l'inventaire qui est plein. Question. Non. Il m'a installé douter quand même un petit peu. Les vieux appareils photo. Là ça va me dire non parce que voilà, j'ai pas le fusil à pompe évidemment. Mais j'ai pas encore de quoi couper les chaînes. Et là, normalement on arrive dans la salle de contrôle. Ouais c'est ça. Ça doit être le bureau de la compagnie de métro. Ah. Ça par contre c'est un truc à péter. Bonjour Charlie. Ouais ça je connais ça. Il y avait ça dans le 2 aussi. Alors, parce que... En cas de coupure de courant, le métro cessera automatiquement de fonctionner. Une fois l'électricité rétablie, veuillez utiliser le panneau de contrôle pour confirmer les gares dans lesquelles le train s'arrêtera, ainsi que les voies utilisées. Si l'itinéraire d'entrée n'est pas sûr, une erreur se produira et le trafic ne pourra pas reprendre. Ok. Alors, donc là, j'ai un coffre que je ne peux pas ouvrir parce que je n'ai pas la clé. Là, il y a de la merde. Il se passe rien. Incroyable, t'as trouvé ça toute seule ou... Ok, je peux pas aller sur les côtés. Parce que les mecs sont pas foutus de ranger leur salle. Peut-être faire le tour. Peut-être faire le tour. Il y a eu un bruit que j'ai pas aimé. Il y a des explosions, je suis pas fan. J'ai essayé d'entrer là-dedans ou pas? Ah non, j'ai même pas essayé. Oula, j'ai tourné un peu vite. Alors là, il y a un con. Là, il y a deux cons. Le problème, c'est que. Ah, 60, c'est le nombre de balles max. Ah. Ah. Putain, mais la map est infinie. Oh, une safe zone! Incroyable. Incroyable. Alors, bah, ça en vrai, déposer. Déposer. La grenade, on en a peut-être pas encore besoin. On va juste récupérer. On va récupérer ça. Il y avait encore un truc. C'est le couteau ou le flingue que j'ai maintenant, c'est le couteau. Ok, donc les deux là c'est bon. J'espère que la musique est pas copyright. Ça, je vais être dans la merde. Bon bah go, hein, safe zone. Hein. Alors la plante verte. En vrai, je vais me faire le. En vrai, je vais déposer tout ça. Il y a juste, je vais me faire le combo de plantes vertes. Et je vais le bouffer tout de suite. Comme ça, tu vois, je suis déjà un peu plus serein, quoi. Et en vrai, je pense que je vais même déposer ça. Fais voir l'écran, c'est quoi ça? Il y a moyen d'étudier les... Ah, voilà, voilà, je me doutais. Examiner, alors, allons voir. Un faux rubis, il semble pouvoir être inséré dans quelque chose. Ok. Ah oui, ok, je vois peut-être où est-ce qu'il va aller celui-là. Je vois peut-être où est-ce qu'il va aller, donc c'est pour ça qu'on va le ranger. Et on va taper la petite sauvegarde. Bon, personnage Jill. Ah, il y a d'autres persos? Ah. Putain, j'avais pas la foi de faire les... J'avais pas la foi de faire les autres persos. Parce que dans Resident Evil 0, ça ne... Dans 1... Dans 0, il y en a pas. Dans 1, ça sert à rien. Merde. Dans, dans le 1, ça sert à rien parce que c'est la même chose, t'as juste des cutscenes qui changent. Donc rien de très intéressant, quoi. Et j'avais déjà pris le Jill, donc ça nous avantage sur ce point-là.
Alors. Alors. Merde. Putain. Oh bah non, mais attends, je me fais perma. Oh. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Partout, non mais c'est littéralement ce qui vient de se passer. C'est mort, je recharge. C'est mort. C'est mort de chez mort. On va juste les éviter. On va juste les éviter, hein, ça. Ça va pas faire un pli. Mais attends, mais je connais cet endroit. Bah oui, je suis déjà venu. Mais attends, mais du coup. Ah, te bloque pas en les. On va dire qu'on a rien vu, c'est ça. Pouf pouf. Pouf pouf, on a rien vu. Ah, mais oui, mais je suis descendu par là. Attends, mais je dois aller où du coup? Ah putain, mais si, je suis débile. Ah, oh, je suis débile. Oh, je suis si con. Bah oui, je suis con parce que c'est dans l'autre sens. Non, mais je suis débile, je suis débile. Pouf pouf. Pouf pouf. Coupé, on reprend, on la refait. Non mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, vous en faites pas. Tout est normal, monsieur dame. Je crois que je me suis rallongé le trajet. Mais c'est pas grave, au moins c'est un trajet safe. C'est quoi ton niveau, toi? J'allais même pas voir ce que c'est. C'est quoi, c'est un pingouin? C'est un mouton? C'est un mouton avec un chapeau de magicien, c'est ça? On dirait un pérégrin. Ah, oui. Ouais, bon, effectivement, j'ai fait un tour gratuit. Ouais, non, mais je suis con. Oh, mais je suis débile. C'est un magicien, ok. Putain, par contre... Oh, putain, les gars, intelligent, c'est pas mon fort. Faut pas m'en demander trop, hein. Alors, oui. Oh, le jeu a freeze. J'ai cru qu'il avait planté. Elle galère à tenir la lance à incendie alors qu'elle l'avait en sa poche pendant 2h30, quoi. Ah, trop bien, ça brûle encore. Oh. Oh ouais. Oh, une deuxième safe zone, trop bien. Un coup blanc. Parfait. Allez hop, la petite sauvegarde. De toute façon, c'est gratuit, donc on n'est pas avare en sauvegarde. Je sais plus ce qu'on avait là-dedans. Oh, de la merde. Y'a quelqu'un? Non. Non, y'a personne. Non, non, y'a personne. Y'a personne. Bon, non, c'est pas... Garage. J'ai vraiment envie de faire ça. À toi le shotgun. Oh oui. Oh oui. Oui, oui. Oui, mille fois oui. Ta gueule, toi. C'était où? Merde, j'ai perdu le... Attends, j'ai perdu le retour du live. Voilà. Faudra que j'apprenne à me repérer là-dedans, ça va être un enfer. Je vais mettre 10 000 ans.
Oh, c'est bien, ces zombies-là, ils sont pas encore trop virulents. Là. Quand on va avoir ceux qui vont s'exciter un peu plus, ça va être un enfer. Voilà. Hop là, staffon de lime et couilles. J'aime pas le fait que les cadavres restent au sol. J'avais l'habitude qu'ils dépoivent. Comme ça, t'es sûr qu'ils sont bien morts, quoi. Hop là, allez. Clac, le petit shotgun. Oh là là. Mais oui. Et l'attaque. Petit shotgun. Attends. Où est-ce qu'il y a une safe zone? Bonne journée, au revoir. Alors sinon, il y avait des trucs à couper où? La boutique de donuts, non, c'était pas ça. Parce que là, il faut qu'on aille où concrètement? Il faut qu'on coupe au niveau du garage. Ok, attends. On va repasser par la boutique de donuts, ça c'est sûr. J'ai peut-être pas récupéré les balles de shotgun. J'ai laissé la boisson. Donc là ensuite, apparemment j'ai raté un truc dans cette zone là. Oh! Ah ok, on vient de découvrir un nouvel événement. Un nouvel élément de gameplay. Ok, donc après les... Comment dire? Après les barils rouges explosifs de construction, on a les disjoncteurs qui pètent des câbles. Oh, j'ai fait un jeu de mots magnifique sans faire exprès. Ah ouais, non, là il me faut la méga clé. Là il y a un méga flic. À gauche là. Ah, eh. Alors à aucun moment je t'ai demandé d'équiper ça par contre. Encore un écran? Ok. Un joyau bleu. Il va y en avoir un vert et un jaune, je suppose. Poudre supérieure. Il y a encore de la merde, visiblement. Oh, spray de soin! Oh! Oh, j'aime le jeu, tu me fais plaisir. Oh, tu me fais des choses là, le jeu. Alors, attends, par contre, on va peut-être revenir. Bah, non, on va aller faire ça, hein. Donc, tout droit, droite. Tout droite. Un petit trivial poursuite avec les gemmes. Ouais, c'est ça. C'est de ouf, ça. Quelle est la capitale de la Zombidania? Eh bah, c'est Raccoon City. Bravo, vous avez une gemme bleue. Félicitations. Est-ce qu'on garde les balles de shotgun sur nous tout de suite ou pas? Ok, donc il y a un chargeur 4 magasins. Ça c'est bon à savoir. Ok. Il y a des trucs qui tombent chez mes voisins, mais j'ai l'impression que ça tombe chez moi. L'enfer. Alors, bonjour. T'es de l'UBCS? Ouais, doucement. Il s'est fait mordre. Ok, fais-moi voir ça. Ok. Non, attends. Mais c'est qui? Il était infecté. Il était peut-être infecté. Vous êtes tous comme ça, Stars. Je comprends pourquoi vous vous faites tuer. Mais c'est qui ce guignol? Vous vous tuez entre vous, c'est ça? J'allais se transformer. Tu as envie de mourir jeune ou quoi, toi? C'est qui ce con? Retourne plutôt à la station de métro. On n'a pas besoin d'une âme sensible comme toi dans les pattes. Mais va niquer ta race! Est-ce que t'as au moins une petite idée de qui je suis, espèce de vieux con? J'ai un entraînement.
Adieu prison, Umbrella Corporation va juste m'ouvrir un job. Un job, je ne sais pas comment ils vont faire pour effacer une peine de prison à vie pour avoir tué 20 membres d'un gang. Ça me va, c'est toujours mieux que rester récent de jour dans la même barre, il faut que je m'en mette en forme. Ah ok, c'est toute sa vie là. Putain. Ah ouais. Eh, il va pas être mon pote celui-là. Hein. Nota bene, là, Dimitri, là, si j'ai l'opportunité de le laisser... De le laisser crever, je le fais. Hein. J'ai combien de balles de fusil à pompe là? Ah oui, j'ai peut-être... J'ai beaucoup trop de balles de fusil à pompe là. Oh, une petite marelle. Ok. Alors, on va tenter, hein. C'est bon, c'est du décor. L'aide du suicide d'un soldat. Moyen-Orient, Europe de l'Est, Afrique de l'Est. Je pensais avoir une bonne idée, ce que c'était l'enfer. Je pensais ne jamais craquer, peu importe la situation. Ce boulot à Lux, ça aurait dû être une problème de santé. L'argent facile et rapide. Je l'avais bien mérité, après tout. Tout est arrivé si vite. Notre escouade comptait 30 hommes. Tous armés des derniers modèles de fusils d'assaut, et pourtant il a fallu moins de 48 heures pour nous décimer. Pour avoir été en la merde plusieurs fois en toute ma vie, je savais que les choses ne faisaient qu'empirer. Et si c'était que des buts? Et si c'était que des buts? Putain, je sais pas parler, c'est incroyable. Ah mais attends, mais il était infecté. C'est vrai, c'est pas lâche de se suicider quand t'es infecté par un truc zombie. C'est carrément pas lâche. Au contraire, c'est même un peu plus intelligent, quoi. Note de l'électricien. Le mec, il a foutu sa note comme ça, il s'est dit, putain, attends, con. Attends, je vais crever. Attends, j'écris ma note. Voilà, je la pose là et je me casse. Ah oui, bah voilà, ouais, oui, ok. Voilà, il m'explique le principe des de générateurs électriques. Et j'imagine que je vais en avoir... Ça les tue ou pas? Ça les tue pas. Si, ça les tue. Ouh. Ça les tue pas. Ça les tue pas. Ah non, les clébards, j'y vais au pépon. Hein, parce que putain. Ok, nota bene. Ok, nota bene. Les chiens, ça ne meurt pas d'un coup. À l'électrique. What the fuck is that? La panique. Ah ouais, mais les chiens, c'est un enfer en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu veux? Ils ont zombifié un poste source EDF? À partir de là, qu'est-ce que tu veux que je prenne? Oh non, la Mini. J'adore ce type de bagnole. Mais surtout rouge avec le toit blanc, là, c'est très Nicky Larson, j'aime beaucoup. Alors, combiné. Putain. Ok, bah go. Hein. C'est quoi, c'est sauvegarde auto, ça? Ouais. Madame. Madame, il faut crever maintenant. Alors. Putain, il va où ce connard? T'as lui, il est pas con. Ok, j'ai rien dit, il est con comme un bal à chiottes. L'autre conne, elle s'est relevée, c'est ça? Et j'avais pas eu le temps de lui mettre des coups de couteau pour être sûr. Putain. Et merde! Le couteau, ça sert à rien.
Le couteau ne sert à rien. Voilà. Mais vraiment, dans ce jeu, le couteau n'a jamais servi à rien. Non. Ça. Voilà. Bon, il reste des trucs. Oui, c'est normal, il reste des trucs. J'ai pas encore la clé magique qui couvre toutes les serrures jaunes. Alors, une herbe violette. On va la prendre. Enfin, rouge, une plante rouge. Ok, une safe zone. Oh oui. Sacoche, suivant. Yes. Oh, putain. J'aime quand on me parle comme ça. Alors, fax du chef de la sous-station. Avis au personnel, en raison des mains dans la ville, ne s'agissait pas de protéger la coupure électrique. Ce qui est logique, bien sûr. Lorsque le cap sera revenu, veuillez activer les 4 disjoncteurs sans attendre. Vous devrez ensuite actionner l'alimentation principale dans la salle de contrôle pour établir le courant. Ok. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on va poser? Qu'est-ce qu'on va poser slash qu'est-ce qu'on va récupérer? Bah, je pense qu'on va juste déposer quoique. On va déposer ça et on va prendre sur nous un truc comme ça. Le reste, on m'en fout un peu. On va taper la sauvegarde, bien évidemment. C'est quoi, c'est... On dirait que c'est en demi-teinte, c'est genre... What? Y a pas besoin que je les active dans l'ordre, si? Ça va être chiant. Ça va être super chiant. Oh, cette odeur, on dirait... Oh, je veux même pas y penser. Tu sais qu'on n'a pas l'odeur, et heureusement. Heureusement, parce que je pense qu'on gerberait tout ce qu'on a, quoi. Quoi? Attends, quoi? Si Chad allait revenir un jour, je décide de jeter un oeil là-dedans. Tu parles d'une idée à la con. En moins de deux, je me suis retrouvé avec des espèces de larves en train de sortir dans ma gorge. J'ai essayé de me faire vomir et cette saloperie n'avait pas l'intention de sortir mon estomac. Alors que je me tordais de douleur, j'ai vu une plante verte. Ma grand-mère a dit un jour que les plantes vertes étaient efficaces contre les insectes. J'ai pété ma bouche et j'ai avalé. C'est fou, mais ça a marché. C'est mes seuls sont décidés à sortir. Je crois que j'ai jamais de compte. Quoi? Quoi? Donc, en gros, si j'ai des vers de terre dans la bouche, je mange des plantes vertes. Vous avez entendu ça, les gars? Ah, ils ont pas l'air chaud de la, ils ont pas l'air chaud de la feuille. Hein. Alors, la clé de la zone de tension est introuvable et nous ne pouvons pas la faire remplacer avant la semaine prochaine. En attendant, un crochet sera fourni à la personne en service. Nous n'avons qu'un seul crochet, il ne faut pas nous permettre de le perdre à le ranger dans sa boîte lorsqu'on ne l'utilisait pas. C'est tellement triste. Mais genre vraiment... Si j'avais mes outils de crochetage. C'est d'une tristesse. Ouais, comme ça par exemple. Ah! Une boîte, trop bien!